جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد لا تصلوا علي الصلاة البقراء قالوا وما الصلاة البقراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقولون اللهم صل على محمد ويسكتون بل يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Donc il dit que c'est en vertu donc de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt aurait dit, la tussallu ne priez pas, allez sur moi, as-salat al-batra, c'est la prière incomplète, imparfaite, ou voilà, donc c'est prière inachevée, voilà. Qalu, les compagnons, radiyallahu anhum, disent, donc ils s'exclamèrent en disant Wama salatul batra, de quoi s'agit-il Wama, de quoi s'agit-il As-salatul batra, la prière des. Donc inachevée. Ya Rasulallah, ou envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Yaquluna, c'est-à-dire, donc c'est ceux qui disent, c'est la prière de ceux qui disent Allahumma, ô mon Dieu, salli, prie, ala Muhammadin sur Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ouais, est-ce que tout Donc ils disent Oui, Allahumma salli ala Sidna Muhammad, ô Allah, fais la prière sur notre Seigneur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il se taise. Au contraire, ce qu'il faudrait dire, Yaquluna, c'est-à-dire, donc, il devrait dire Allahumma, ô mon Dieu, salli, prie, ala Muhammad, donc sur notre Seigneur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala Ali Muhammad, et sur la famille de notre Seigneur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'il fallait dire. Et donc, ce hadith est aussi faible. C'est un hadith qui est faible. Selon ceux qui sont spécialistes donc de ce domaine. En fait, comme l'imam As-Sakhawi rahimahullah l'a dit dans Al-Qawl al-Badi'a, c'est un hadith. Il dit qu'il n'a pas trouvé de sanad. Il dit que, et puis il dit Abu Sa'd l'a dit, mais la cité seulement qu'il n'y a pas de sanad. Il n'a pas nommé de sanad, il n'a pas parlé de sanad, c'est-à-dire de chaîne de transmission par rapport à ce hadith. Et aussi l'imam Al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala, dans son fameux livre où il répondait les al-fawaiq al-muhriqa ala ahl al-rafd wa al-dalal wa al-zandaqa, donc ce livre là où il faisait la réfutation des rawafid, donc des chiites, il a cité également ce hadith, mais seulement il l'a cité avec ce qu'on appelle la forme une forme soulignant donc un manque de d'authenticité, c'est-à-dire qui n'est pas donc surtout tamrid, donc une forme, une version avec une formule défectueuse en disant wayuwa, il a été rapporté, voilà. Sinon en fait ce hadith est méconnu, donc des gens de la science du hadith en tant que hadith qui a eu une chaîne de transmission, etc. Et ça fait partie des signes de, non seulement de la faiblesse d'un hadith, mais aussi de quoi? Du fait que ce hadith est forgé.
wala wa haythu la yujadu 'inda ahlihi kum limu as-Suyuti rahimahullah adi wala wal waqa fihi 'urifa imma comment ça s'appelle quand il dit wal waqa fihi 'urifa imma bi iqrarin wa ma yahkihi وركة وبدليل فيه وأن يكون ناويا وما قبل تأويله وأن ينافي ما نقل وحيث لا يوجد عند أهله voilà donc ça fait partie de ce qui montre que un hadith est forgé il y a une de ces parties là donc il y a déjà le fait que quelqu'un qui a rapporté ce hadith lui-même a réfuté le hadith, c'est-à-dire en parlant d'une chose, c'est-à-dire en disant donc imam iqrar, c'est-à-dire le fait d'avouer, donc l'aveu. Quelqu'un qui dit par exemple, qui raconte un hadith et à un moment donné il dit bon j'avoue que j'avais raconté ce hadith mais c'est pas vrai, c'est moi qui l'avais forgé. Ça montre que ce hadith est forgé. Parce que, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui lui ressemble. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui lui ressemble. C'est quoi? C'est quand quelqu'un dit, par exemple, en 1955, j'étais allé à la Mecque et telle personne m'a dit telle chose et telle chose, telle chose. M'a raconté tel hadith, etc. Il prend la chaîne. Et on convoit que, en fait, un jour, je viens, je dis que moi, je suis né en 1978, par exemple. On sait que, donc, c'était pas possible que je puisse être à la Mecque en 1955. Et voilà, et que telle personne puisse me dire telle ou telle chose. Voilà. C'est ça, Wama Yakihi. Rika, c'est que quand la parole ne semble vraiment pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que cette parole-là est très loin de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a beaucoup de tortuosité dans la forme et dans le fond de la parole. Ça, on sait que ce n'est pas une parole, c'est une parole forgée. Warikatin wa bidalilin fihi, wa an yakuna nawiyan wa ma qubil ta'wiluhu wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'i talafat bi naqlihi et donc que ce qui a été rapporté mais on ne peut pas l'interpréter, personne ne peut l'interpréter, en fait on ne peut pas l'interpréter jusqu'à ce que cela soit conforme à une parole, à un autre hadith qui est réellement authentique ou au Coran. Ça, on sait que ce hadith-là n'est pas authentique. On sait que ce hadith n'est pas forgé. Parce que c'est impossible que le prophète Hassan dise une chose qui est totalement contraire, mais totalement au Coran. Et de telle sorte qu'on ne peut même pas les réconcilier. Voilà. Comme par exemple, si on aurait rapporté que quelqu'un, c'est un mécréant, mais il va aller au paradis tout de même parce qu'il il a telle ou telle valeur en lui. Comme par exemple, quand on parle de celui qui est généreux, c'est-à-dire que le généreux va aller au paradis. Même si s'il était mécréant, ça se voit que c'est forgé. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit formellement qu'il est illicite de faire une invocation envers les mécréants parce que quand ils meurent comme ça, en tant que mécréant, ils vont aller en enfer. Donc, ce sont des choses comme ça, on les connaît de manière. En fait, voilà. Donc, c'est facile à reconnaître à partir de ce moment-là, hein? C'est un cas de figure. Voilà. C'est pour ça que je dis que. Donc, Wabi Dalil, une fille. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un Dalil, un argument qui est dedans. Bon,
Ça, on l'a pas dit, hein. Ça, on avait dit, on avait parlé de la, du manque de ou bien de l'impossibilité de la réconciliation de ce hadith avec un autre hadith authentique, ou en tout cas un autre hadith avec un verset du Coran. Mais on peut parler, par exemple, de ce qui est Bidal ibn Fihi, c'est-à-dire que c'est quelque chose même qui est même dans le hadith qui montre que c'est faux. Parce que quand il y a une fausse information qui est dans le hadith, on sait que le prophète ne l'a pas dit. Parce que le prophète sallam ne dit pas quelque chose de faux. Voilà. Par exemple, un hadith qui parle du fait que, par exemple, au-dessous de la terre, il y a une vache, après la vache, il y a comment ça s'appelle, une pierre, après au-dessous de la pierre, il y a un poisson, etc. Ça, ce sont des fausses informations qui voilà, ça ne peut pas être une parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il faut être raisonnable. Voilà. Et donc, mais il y a ici, wa an yakuna nawiyan wa ma qubil, et que ou bien que cette chose-là est tellement éloignée comme vérité, wa ma qubil ta'wiluhu, et qu'on ne peut pas accepter quoi? L'interprétation. Oui, wa am yakuna ma nuqil, et que ce qui a été rapporté, haythu dawa'i talafat bi naqlihi, c'est-à-dire que et de telle sorte que ad-dawa'i, les cas de figure, c'est-à-dire les conditions, les circonstances même, étaient telles que de manière générale on devrait le rapporter. C'est comme et souvent les gens du hadith donnent l'exemple du hadith qu'on dit que c'est Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans une conquête, avait demandé pour que le soleil revienne, pour qu'il puisse prier le Asr. Ça, si c'était vrai, ce serait raconté. Parce que c'est un grand événement, ça. Ça, c'est un grand événement qui est connu et voilà. C'est comme si aujourd'hui, on est vendredi, je viens et je vous dis que aujourd'hui, pendant la prière de vendredi, il y a quelqu'un qui s'est levé avec un couteau ou un revolver et qui a exécuté l'imam. Et que à la grande mosquée. Alors que tout le monde est en tout cas, c'était la grande mosquée où il y a au minimum plus de 1000 fidèles qui ont prié là-bas, qui ont fait leur prière là-bas, et que personne ne raconte cela dans la mosquée, dans tout Lyon, il n'y a que moi qui le raconte. Ça se voit que c'est pas. C'est inventé, c'est forgé. Pour des hadiths comme ça aussi, ça montre que c'est forgé. Ce sont des éléments en fait qui. En fait, ce sont des éléments qui se rapprochent à une enquête en fait. Qu'on puisse savoir naturellement que ce qui a été raconté est fausse et forgé ou pas. Et il dit donc une autre vers, autre chose qui montre que ce hadith est forgé, c'est wa haythu la yujadu 'inda ahlihi, et c'est ça. Et c'est un hadith dont on ne trouve pas chez les spécialistes du domaine. Quand un hadith on ne le trouve pas chez les spécialistes du domaine, cela montre que c'est forgé. Oui. Voilà. Donc ça, c'est en bref, on a à peu près résumé ce qui permet de détecter le caractère inventé, forgé de hadith. Et ça fait partie. Tout ce qu'on vient de dire, ça fait partie de cela. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.